بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا فأيها الإسلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout louange, tout grand dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui peine à aucun doute, ni mérite toute l'adoration et remerciement, surtout pour bonne faveur, qu'il y peut verser au nous continuellement, et surtout, grand faveur qui nous peut jouir actuellement, c'est le mois de Ramadan, même qui les peut arriver sur la fin, mais les risques, les temps, nous guettent un petit nous-mêmes, si nous là, nous présents le relaté à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas par hasard, mais c'est une de bonne faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une vie à nous. Ensuite, la paix et bénédiction au Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Modèle exemplaire qu'Allah fin envoyé pour l'humanité, qui peine à aucun doute, nous suivre lui, ce bon enseignement, ce bon principe, ça permet nous pour faire succès l'eau dunya et dans l'akhirat. Qu'il appelle au lit, sa famille, ce bon compagnon et tout bon qui suivent jusqu'à le jour Qayamat. Frères et sœurs en islam, mon intervention, dans ces quelques moments qui nous est là avec nous là, les pounets que quelques ban rappels à moi-même et à tout ban qui présent là aujourd'hui. La'alla wa asa, qu'on nous dit en arabe peut-être, qui incha'Allah, ça vient en, qu'on nous dit, il y attire nous l'attention plus. Ça vient que là, ça rappelle là, dans ce dernier moment qui nous peut vivre depuis ce mois, qui bénit, qu'Allah fin de nous comme cadeau. Peut-être nous saisissons à ce moment-là et nous vînons parmi ceux qui font victoire au dunya et dans l'akhirat. Premier rappel qui m'a avec moi, frères et sœurs en islam, c'est les conseils qui est Omar, deuxième calife de l'islam, radiyallahu anhu, qui lui fait dire une parole qui, dans ce moment-là, un qui n'a iman, un qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, un qui croit qu'il y en a pour y aller rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a un jour jugement, qui, ce jour-là, soit il peut gagner ce livre dans la main droite, ou bien il peut gagner dans la main gauche. Ce jour-là, que toutes nos bonnes actions, pour mettre nos balances, pour peser nos bonnes actions, qu'il y soit bon action ou bien mauvais. Conseil qui Omar radiallahu anhu lui donne à tout ban qui est présent dans ce moment-là et à nous indirectement, quand il finit de dire Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hasibu anfusakum, fait un jugement avec vous-même, qabla an tuhasabu, avant qu'Allah pour faire un jugement avec vous. Wazinu a'malakum, balance zot ban compte, veut dire zot ban action qui zot fin faire, balance li, al pesé, al guetté, qabla an tuzanu, avant qui, pour mettre zot ban action, l'eau balance. Oui, frères et sœurs en islam, ce ban moment qui restait devant nous là, chacun parmi nous, nous bisons commence à interpeller nous-mêmes. Allah fin faire une faveur au moins. Fin arrive jusqu'à le 28. Fin arrive jusqu'à ce moment-là, là, qu'il ne reste peut-être un jour ou bien deux jours pour le mois de terminer. Est-ce que moi, en tant qu'Allah fin fait sa faveur là, au moins, est-ce que vraiment je suis capable de dire, quand le mois de Ramadan peut terminer, je fin bénéficier avec ce mois-là totalement. Tout bonne l'occasion qu'Allah fin donne moi, fin permettre moi pour adorer,
fin facilite moi pour faire une bonne action, fin épargne moi depuis une mauvaise action. Est-ce qu'il m'a fin saisi sa bonne opportunité là ou bien non? Hasibu anfusakum, faire jugement avec nous c'est là. Sinon jour kayamat, sans le temps qui nous fin gagner là, sans la vie qui nous fin gagner, sans cadeau qui Allah fin de nous quand nous fin témoigne, sans le mois de Ramadan là et nous pas fin saisi sa bonne opportunité là, la balle est plus difficile pour nous le rendre compte. Le mois pas encore terminé, alhamdoulillah, nous encore un dernier moment devant nous qui est bien bien important. Il est bien bien important. Alors de là, si nous disons qu'il nous a iman, nous croyons dans Allah subhanahu wa ta'ala et ce l'enseignement et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors frères et sœurs en islam, ça va un moment là, ça nous interpelle nous-mêmes là. Qui m'a fait faire moi? Est-ce que l'état me comporte la vie avec avant le mois de Ramadan est venu et après le mois de Ramadan, veut dire que le mois de Ramadan est venu, est-ce que la vie encore pareil? Quand tu t'es namaz, qu'est-ce que tu peux faire? Si moi tu peux faire seulement mon faraz, est-ce qu'il finit une augmentation de mon namaz? Veut dire qui? Moi fin prend compte mon sunan al-rawatib, moi fin prend compte mon nawafil, moi fin faire en plus. Est-ce qui me lecture Coran finit une augmentation? Veut dire qui? Alhamdulillah, mon capable dire dans le mois de Ramadan, mon fin termine au moins un khatm le Coran. Ou bien tous les jours, je peux lire quelques parties de ce livre-là, qu'Allah finit envoyé comme un guide pour moi-même. La richesse qu'Allah finit donne moi, est-ce qui, avant le mois de Ramadan, qui me fait hésiter pour donner, mais quand le mois de Ramadan finit venir, est-ce qui encore pareil? Et quand le mois de Ramadan, pour aller, comment il peut être? Donc, balance de ma action précieuse en islam. Chacun parmi nous guetter, ce n'est pas vraiment nous finir bénéficier avec ça, moi-là. Si nous trouvons qui, alhamdoulillah, vraiment finit dans l'amélioration, alors ce qui nous vise à faire dans ce moment-là, c'est en premier, c'est nous faire istighfar et nous demander Allah subhanahu wa ta'ala, dua qui vise à demander, Allahumma taqabbal minni, oh Allah, accepte de moi. Oh Allah, accepte de moi. Sinon, nous avons une action à l'en vide. Mais de l'autre côté, si je fin trouver qu'il m'a fin mal agir, ben l'opportunité, je fin laisser traverser comme ça même. Mon négligence, les fin comme d'une façon, les fin doubler encore. Moi, je peux dormir. C'était temps, dans Ramazan, je dormais plus que ça. Comme à beaucoup, et n'allait dans nous. Mais si nous n'avons pas une qualité pareille, une négligence pareille, l'État nous peut faire nos hisab, alors là, ce qu'il nous vient faire, c'est ressaisir nous-mêmes dans ce dernier moment-là. Dans le dernier moment, peut-être nous disons, mais un dernier moment, une seule la nuit, un seul jour, mais qui ne va pas le bénéficier avec ça? 28 ans de travail, si vous ne pouvez pas le bénéficier avec un seul mot pour bénéficier, connaît pour nous, en tant qu'un musulman, une musulmane, comme le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il finit à connaître un hadith qui trouve dans Bukhari, dans un des mêmes riwayats, il dit, إنما الأعمال بالخواتيم. Nous ban action li basé l'eau sur la fin. Nous ban action li basé l'eau la fin. Là nous calvaire sur fin là. C'est là qui plie important encore là. Git en tigout. Le temps le mois de Ramadan fin rentrer. Subhanallah, c'est ça nous trouve bénédiction de ce mois là. Git ban masjid. Comment tu remplis? Gite ban namaz tarawih surtout. Ban namaz tarawih, masha'Allah. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, arrive première semaine. L'état nous gite à l'aurier, nous commençons au jimini. Cinq saf, six saf, nous commençons une quatre, nous commençons jimini. Parce que l'état nous gite à l'aurier, c'est sa même ban qui fait faire namaz régulièrement, qui majorité. Qui n'arrivait, c'est nous donne l'importance commencement le mois, nous pas connaître l'importance finition. Rita mohon mis, fait nous finissons, une finition mis, mis c'est parfum, un parfum qui bien bien, comment dire, senti bon. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
C'est là-dedans qu'il est là pour faire compétition, dans sa finition là-même. Il est dans les courses. Il est dans les courses, il est dans le concours, il est galoper ensemble. Ça va nous ok là. Le temps arrive, le dernier virage. Les là qui nous trouvent, eux commencent à cravasser fort. Je peux cravasser eux. Mais c'est le mal au dernier virage là, qui vient se pour cravasser. Parce qu'ils ont tout plus envie de gagner. Là, c'est un moment qui est resté devant nous là, c'est nous besoin de cravasser bien là. Pas dire un mot comme on dit d'une façon, mais fini. Pena les temps là, non. Encore il y a les temps. Allah, encore peut donner moi l'opportunité là. Donc frère, ici en islam, ça donne ce qui est les temps qui nous est là devant nous là. Pas laisser aller comme ça même. Nous faisons mal agir, mettez-les à un côté. Pas base là. Mais, ni normal, nous avons un regret dans nous-mêmes. Qui, ça va l'opportunité qu'Allah finit de moi là, pour ne pas finir saisir. Alors là, je prends une résolution. Oh Allah, dans ce petit moment qui est resté là, oh Allah, facilite-moi. Pour me gagner ce petit temps qui est là devant moi. Je fais un maximum d'efforts. Pas non plus, comme malheureusement beaucoup. Comme je dis, ça. Émotion Eid là, il finit prend place dans nous. Alhamdulillah, Eid n'a aucun but, c'est une fête. Nous bizarre, quand nous dit après, un cadeau qu'Allah finit de nous. Mais seulement frère en islam, là nous pas encore arrive Eid là. Nous donne l'importance Eid, puisqu'il s'abonne bien ce moment là. Et il y a une parole qui dit Laysa l'Eid liman labitha al-jadid. ولكن العيد من يخاف الوعيد. عيد c'est pas celui qui met un joli linge l'audi. Azodi. Nous avons dans des jours quand on a Eid ou bien dans un jour pour une Eid. Nous voudrons beaucoup pour mettre joli linge. Content. Parce qu'ils ont Eid ça. Alhamdulillah. Dis bon. Mais c'est le maladan. Combien ban qui vrai même. Il y a Eid pour eux. Aïd pour une kina iman, c'est Aïd man yakhaf al-wa'id, c'est lui qui fait une paix, c'est un jour qu'Allah fait une promesse pour arriver là, jour qayamat. Il prépare lui pour ce jour là. C'est pas ça l'insa qui est important pour lui, mais ce jour Aïd là pour lui, c'est Allah fait une paix, il fait une paix, il fait une accepter les autres. Ça qui est plus important. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il peut monter au mimbar pour y aller faire khutbah. Ben, le sahaba, dans ce moment-là, je t'en dis Amin, Amin, Amin. Quand nous venons au prochain rappel, les tabans-là peuvent t'en dire Amin. Normalement, quand nous finissons apprendre, nous connaissons qui, quand on peut demander doa, après qu'il peut demander doa, nous disons Amin. Puis, la personne qui peut demander doa, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire Amin. Ça fin comment dire Agas ban Sahaba indirectement pour vous êtes connus, mais qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait monter au mimbar, il fait dire Amin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin donne éclaircissement. La raison, qui fait le fin dire Amin. Il dit dans ce moment-là, il peut monter au mimbar. Jibril alayhi salam, un bien frère en islam, c'est en islam, écoute-le bien. Qui s'en a qui peut venir demander? Jibril alayhi salam. Ce moment-là, Jibril alayhi salam, il peut demander. Et qui s'en a qui peut dire Amin? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Dans la trois-là, trois amines qui définissent là, nous prenons un seul là-dedans, deuxième là qui concerne nous. Quand Jibril alayhi salam dit Rahma an fi mri'in dakhala Ramadan wa ansalakh falam yughfar lahu. Rahma an fi mri'in, c'est une expression pour montrer comment dire Sajimun qui fait une fille à l'action là. Mais pour lui, fini. Pena non, il ne reste pour lui à Zodji. Ça, j'ai mon nom à Zodji. Qui j'ai mon ça? Le mois de Ramadan, il rentrait.
le mois de Ramadan est terminé, Allah n'a pas fini par donner. La hawla wa la quwwata illa billah. Le mois de Ramadan rentré, le mois de Ramadan terminé, mon pagain pardon depuis Allah, bien bien grave. Et c'est ça même que Jibril alayhi salam, ange, mais nous connaissons ange, c'est une créature qui pas fait péché, je vis de l'obéissance à Allah 24/24. L'idée de demander sa doa là pour sa djimouna et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut dire Amin. Ou Allah accepte sa doa là. Mais qui qualité grave, qui qualité perdant, sa djimouna li perdant, qui le mois de Ramadan est venu, Allah pas fin pas de nous. Palestine vient dans sa catégorie là, frère et sœur en islam. Nous encore, il y a l'occasion devant nous. L'opportunité d'aller, Inch'Allah, avant de nous faire iftar. C'est ça l'opportunité là. Lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-nous pardon pour nos péchés. Demande-nous qu'oubou, acceptation. Parce qu'il est important pour nous dans ce moment-là qu'Allah accepte de nous. Pas les sauver dans l'état de désespoir. Désespoir, c'est un élément, c'est une qualité qui n'a pas existé dans le dictionnaire de Nkena Iman. Un musulman, une musulmane, n'a pas gagné droit et n'a désespoir dans lui. C'est pour ça que si un djimoun qui a iman, impossible pour y le faire, il va le faire suicide. Si il a iman vrai même, parce qu'il fait, il connaît qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala, même qui tout la porte capable de fermer devant lui, mais la porte Allah encore ouverte pour lui. Désespoir pour nous pas exister si nous avons iman. Allah dit dans le Coran, qu'il y a ibad. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له dans سورة زمر الله سبحانه وتعالى قلت كي لدي ça montre nous الله سبحانه وتعالى سورة رحمة سو pitié qui dépasse ce colère سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا جيعا مبان سيديتيا qui fait une gaspille de la vie. Papa dit qu'il fait un péché, deux péchés là. Papa dit qu'un jour il fait un péché. Il dit gaspiller, nous tout comprenons qu'appelle gaspillage. Combien de fois, peut-être, nous disons à nos enfants, tu ne besoin pas faire gaspillage. Ben, quitte chose moderne. Mais ici, Allah peut faire nous connaître qui ça quitte chose qui dit mon la fin gaspiller là. C'est la vie. C'est la vie qui est si précieuse. C'est la vie qui. Un djimoun, ce n'est pas pour bouser jour kayamat. Excepté qu'il est pour bien répondre pour sa vie là. Pour bien répondre pour sa vie là. C'est sacré ça. Mais sa vie là, ça djimoun n'a qu'il fait ça, il gaspille la vie là. Veut dire qu'il vit de désobéissance à Allah. Il amène cela vie comme il a envie. Faire plaisir à Shaytan. Faire plaisir à son nafs. Sa djimoun n'a qui, Allah qui appelle lui, Ibad, Moussé à Vitir. Nous de nous regarder, nous avons trouvé un drogué, le chemin qui nous appelle lui. Nous appelle lui drogué. Nous appelle lui drogué. Parce que pour nous, ça peut être un nabé, ça l'infini, moi je dis d'une façon infini, barbade pour ce d'avis. Mais seulement que Allah subhanahu wa ta'ala lui, quand il appelle sa djimoun qui fait une gaspille sur la vie, dans la désobéissance, il y a encore appelé lui ce serviteur. Mais qui qualité rahmat Allah est pour nous. Qui nous hésitait pour venir taper sur la porte. Nous payer pour taper sur la porte. C'est ça qui nous bizarre dans nous en tant qu'un qui a fait un améniman. Désespoir. Et c'est ça qu'Allah peut dire. La taqnatu mir rahmati. Pas désespéré depuis mon rahmat. Après, qu'est-ce qui vient après? Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Certainement Allah lui pardonne tout péché. Allah lui pardonne tout péché. Qui quantité nous fin faire? Qui quantité péché qui nous fin faire? Nous encore et dans les temps, Allah puis encore fait nous vivre au salat et là, pas hésiter pour lever la main avec Allah. Pas hésiter pour venir repentir. Mais il est normal, il y a une bonne condition de nous repentir, de nous taouba.
Peut-être là, nous, ben qui présent, nous essayons de faire sa comparaison là. Comme le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'a fait informer. Concernant sa djimoun, qu'il y fait 99 crimes. Il tue 99 djimoun. Dans nos regards, c'est un criminel. Dans nos regards, dans nos guettes, sa djimoun n'a pas été condamné et puis n'a plus qu'il y a d'une façon. À nous, la loi, il y a ce coup. Et si nous guettons dans la loi Allah, c'est l'enfer. Sajimouna, ce nafs mansli, regret dans lui. Moun tue 99 du monde, il y a envie sans cela vie. Il y a envie de repentir. Il fait des efforts. Il demande, manageli comme ça, il a un abid, un adorateur, mais il est capable de ne pas conseiller. Allô? Le final que sa personne là, le fin d'yao un tel, mais commet tel quantité de crime, est-ce qu'il n'a pas pardon pour moi? Ça a habité là, j'ai dit comme ça, là, pour toi, puis il n'a pas pardon pour toi. Quand tes crimes te font là, est-ce qu'il n'a pas pardon pour toi? Le temps a dit, mon âge, il n'a pas pardon pour toi, il tue, il complète, il fait les vins, sans crime. Allez, un moment après, pareil, il y a un sacré mot là dans l'encore. Moi, je dis, ça pique lui en dents. Tu ne fais sans crime, mais pas n'arriver à plus de sens de la vie. Il prend décision pour le sens de la vie. Il repose question. Qui s'en a qui est capable de donner des conseils? Ben là, donne des conseils. Il y a des conseils. Il y a un alim. Une personne qui a la connaissance. Il y a lui. Il y a lui, il fait ses efforts, il y a lui. Il cause avec un alim là, il y a lui qui n'arrive lui. Et qui fait, il est présent devant lui là. Il y a un alim là. Son réponse qui donne lui, les jalis comme ça, qui quitte chose, qui barrière il a en toi et pardon. Qui barrière il a en toi et pardon. Tu as envie de demander pardon, tu as envie de repentir. Alhamdulillah, qu'on demande-toi avec Allah, demande-toi, demande pardon. Mais j'ai te la peau de pas confirmer. Le temps d'une gagne sa réponse là, l'insatisfait. N'est que simplement. Ça a dit là fin de donner un conseil, j'allais comme ça, mais dans cet endroit que tu peux rester là, ça l'environnement là n'est pas bon pour toi. Quitte ça l'endroit là, dans tel endroit là-bas, tu as un bon djimoun, mais ça pour aider toi pour vivre de l'obéissance à Allah. Y aller. Y accepter, y quitte tout, y aller. En chemin. Malakalmot, tiens ce roux. En chemin, il mort. Discussion levée. En ban ange. Malaikatul Rahma ou Malaikatul Adab. C'est là qui vous prend un roux là. Est-ce qu'il y a ange, pitié ou bien ange, punition qui prend ce roux? Discussion entre les deux. C'est qui punition là, il dit, ange là, il dit, comme ça, il n'a pas fait aucune bonne action, il finit sans crime. Moi qui puisse prendre ce roux. Malaikatul Rahma, il dit non, ça, il tient à l'intention pour son seul avis. Mais moi qui puisse prendre ce roux. Allah envoie un troisième ange qui fait une verre, mon j'ai un juice entre les deux. Il vient se guetter, mesurer. Vers qui côté il fait une pli, mon j'ai se pas plis. Et ta la mesurer. Trouver qui vers sa chemin qu'il est allé, vers sa l'endroit qu'il est allé là, l'infini, en plus l'autre côté, il vient l'infini faire plus beaucoup les temps de l'autre côté pour l'autre côté. Mais t'as nous tout, qui ce qui interpelle nous dans cet événement là, qu'est-ce que ça dit mon là? Sur l'intention qui s'insère. Sur l'intention, c'est pour vrai même sens de la vie. Il ne peut faire aucune bonne action, mais il finit être considéré comme un habitant paradis. C'est Malaikatul Rahma qui prend ce rôle. Mais nous ici, pareil, frère, en islam. Nous tous, nous sommes des gars. Nous là, sans exception là. Nous tous là. Nous tous, nous finissons faire péché. Nous encore, peut faire péché. Peut-être dans le mois de Ramadan, nous finissons faire péché. Mais, pas vivre de désespoir qui a la pas peur de moi. Non. Vivre dans sa qualité d'espoir là qui a la dit la vie. Sur la porte Taoba encore ouvert. Mais, c'est moi qui vous tape la porte là. Dans sa bande dernier moment d'impression en islam, c'est une action qui demandait de nous pour faire beaucoup là. Istighfar, istighfar, istighfar. Nous pas connus, si pas l'année prochaine nous pour là. Comme Eban qui est présent avec nous.
Mais seulement, ça l'année-là, je n'ai pas fini témoin le mois de Ramadan avec nous. Et comme Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, lui dit, si tu dis à Benjamin Moore, pose cette question-là, qui suit ce type-là, et tu peux dire, ça Benjamin Moore, ce type-là, il retourne dans le mois de Ramadan pour lui bénéficier avec au moins un moment dans le mois de Ramadan. Mais nous encore vivons dans la terre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas par hasard, frère et soeur en islam, c'est Allah se faveur qu'il est en nous. Comme ça même, frère et soeur en islam, pour terminer, je termine avec le dernier verset qui trouve dans Surah Hijr. Un verset qui est adressé à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien important. Parce que c'est sa même résolution qui aime qu'il a iman, l'eau Allah les bise prend dans un dernier moment-là. Si jamais mon vie sans me la vie là, c'est ça vis-à-vis de mon résolution, mon objectif. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton créateur jusqu'à qu'il yaqin vienne sur toi, jusqu'à qu'il l'amour vienne sur toi. Ça, c'est mon résolution. Mon vie sans me la vie. Je sais que Ramadan, c'est une créature d'Allah, et une créature d'Allah dit pareil qu'il y en a une fin, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est lui qui peut adorer Ramadan, connaît que Ramadan qu'elle fait sa fin. Mais c'est lui qui peut adorer Allah, Allah vivant, c'est l'adoration qui continue dans la vie jusqu'à ce que moi je quitte sa dunya la moi. C'est ça ma résolution d'aimer. C'est ça qui m'a besoin. Comme on se demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, le mois de Ramadan peut arriver à sa fin, facilite-moi après le mois de Ramadan pour me vivre dans ton obéissance, pareil comme tu as fait une facilite-moi dans le mois de Ramadan. Pas seulement jusqu'à là, mais jusqu'à ce qu'il me quitte sa dunya là, moi aller. Oh Allah, facilite-moi, oh Allah. Fais-moi tenir ferme, l'osirat al-mustaqim, surtout avec tout ça, une fitna qui est là alentour de moi là. Donc, frères et sœurs en islam, j'espérais qu'Inch'Allah, nous tous nous profiter avec ça. Ça va nous rappeler là, que moi, en premier, nous profiter, et nous tous qui là, nous prenions en considération dans ce dernier moment qui restait avec nous là, dans les mois de Ramadan. C'est un moment qui nous vise à mettre plus, comme on nous dit, un petit peu d'efforts, plus encore, et surtout, comme on nous connaît déjà dans 10 derniers, nous avons encore une limite devant nous. Si Allah fait une décrète pour nous faire Eid demain, Alhamdulillah, nous allons dire Alhamdulillah, nous pourrons atteindre la nuit, mais Allah n'y connaît pas aucun doute qui du bien est là pour nous là-dedans. Mais si Allah fait une décrète pour nous faire lundi ou bien mardi, là-dedans aussi est là du bien. Mais seulement pour nous, c'est qu'il nous a saisi l'occasion qu'Allah fait de nous. Allons demander avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous une parmi nous, qu'il fait accepter dans sa grande moi-là, tous nos bons efforts et sacrifices qu'il nous fait faire, tous nos bons ibadat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait sa vie de nous balance jour qayamat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous vivre parmi nous, qu'il fait accepter zut. Et qui, incha'Allah, jour qayamat, nous gagne sa qualité récompense. Quand vous dire, Aïna sa'imoun, que de ban qui fin garde rosa. Dire, nous rosa nous pas fin garde pour se vendre vite. Mais nous rosa nous fin garde pour faire Allah plaisir. Alors, appelle-nous jour Kayamat. Récompense spéciale pour Ban Kifin God Rosa. Aïna Sa'imoun. Azodi, ce jour-là, Allah li pour récompense Ban Kifin God Rosa. Et récompense en partie, c'est pour la porte spéciale. Babur Rayyan qui pour ouvrir, rentrer. Qu'Allah donne nous sa cadeau là, Inch'Allah, ça à moment-là. Et avant qu'il me termine, m'exposer. Un petit message spécial qui, surtout, l'état où je rentre dans ma ville ici, je fais un namaz, Zohar, ça fait une touche moi beaucoup. L'état où je trouve sa quantité jeune qui est dans ma ville à Zohdi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. En premier, je remercie tout ça, mon frère qui a l'oreille, ça travaille énorme. Pour donner à ce jeune-là l'opportunité
ouvrir la porte masjid à sa bonne jeune là. Créer ça l'environnement qui pour attirer ce là. Parce que si sa bonne là, pas gagner sa bonne l'opportunité là. Et n'a pas les autres la porte qui plie pire. Ça nous dit plie pire, qui plie mauvais, qui ça qui peut ouvrir à eux. Grand, peut ouvrir. Mais alhamdoulilah, c'est un grand travail qu'ils ont pu faire, qu'Allah récompense eux pour ça. Et mon message surtout à Saban Jeunna, qui, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui dit dans la signification hadith, « Saba'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli » Cette catégorie du monde qui joue au Kayamat, c'est pour gagner l'ombrage, prône Allah. Quand le peuple n'a aucun l'ombrage ce jour-là, parmi là-dedans, dans cette catégorie-là, oh ben jeune, écoute-lui ça, les consciences, surtout cette majorité qui est dans mon droite-là. Washabun nasha'a fi ibadatillah. C'est un jeune qui fait grandir dans l'obéissance à Allah. Je peux gagner l'opportunité avec Allah. Saisis ça l'opportunité-là. Ça pourra nous du bien l'au-dunya et dans l'akhirat. Allah pour faciliter la vie dans sa dunya là, dans ce qui est pérodé, qu'il soit côté de côté académique. Allah pour faciliter peine aucun doute là-dedans. Et dans l'akhirat aussi, la récompense, les belles, bien, bien grand qui peut atteindre. Alors, on espère que, Inch'Allah, je profite de sa bonne opportunité qui m'a dit de nous dans ce bon moment-là. Pareil comme on a beaucoup de les autres qui finissent faire lui. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah facilite nous. Pour terminer le mois de Ramadan en beauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite nous. Pour terminer le mois de Ramadan dans une parole sincère avec Allah et qui, quand le mois de Ramadan finit terminé, vraiment, nous finit accueil, nous finit gain, ce qu'il nous appelle taqwa, qui est capable d'aider nous pour vivre le 11 mois qui vient après ça. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nous de nos efforts et sacrifices, qu'il fait sa vie dans nos balances. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.